Salut, c'est Aurélie et Delphine pour la chaîne Street Photo France. Bienvenue dans ce nouvel épisode du grand tournoi de la street photographie. Le principe est simple, un lieu, un thème. Chaque photographe aura 30 minutes pour nous livrer, selon lui, la photo qui illustre le mieux le thème et ce sera à vous de voter. Vinaigre Blanc, photographe parisien, nous fait l'honneur de quitter son 17e habituel pour shooter au pied de la Tour Eiffel. Adepte des photos de manifestations, de portraits et de street, il a laissé son flash au placard aujourd'hui afin de relever le défi qui l'attend. Alex Dino est un réalisateur photographe lillois, cofondateur de Street Photo France et à l'initiative du projet Grimasque. On a réussi à l'attraper entre deux trains pour venir relever le challenge du grand tournoi de street photographie. Vinaigre, là, tu as dû recevoir le thème par DM. Ouais, je t'invite à regarder tes messages. Alors le thème. Ah, j'ai reçu. Ah, alors. Ah, c'est précis. C'est précis. C'est quoi le thème? Le thème, c'est les parapluies, mais au pluriel. Ça t'inspire? Non. Vu la météo, ouais, je le sens bien, ouais. On peut faire des choses. Ok, super. Donc à partir de maintenant, tu vas avoir 30 minutes pour réaliser ce défi. On va quand même y aller. Le pain, ça va être compliqué. Les parapluies au pluriel. Vous avez 30 minutes avec Dino, c'est parti. Tac, c'est parti, 30 minutes. Ah, c'est bizarre de chercher un truc. C'est étrange comme activité. Elle a un truc que j'aime bien là. Il y a écrit bien au sec. C'est bien ça. C'est pas mal. Merci. Bonjour. Il a pas dit les parapluies ouverts. Sache que si tu cherches une compo, ouais, tu peux aussi leur demander, tu vois, de poser. Bonjour. Oui, bien sûr, tu peux interagir avec eux. Ouais, mais non. Pour photographe, j'ai un thème, oui, c'est les parapluies. Pourquoi ils marchent pas? En fait, c'est la charge. Galère à charger mon flash. Voilà, ça y est, chargé. Est-ce que ça compte? Les vêtements de pluie. Ça compte comme un parapluie? Ça, c'est pas un parapluie, avec un. En vrai, non, ça compte pas. Ça compte pas. Juste les parapluies. Difficile de créer une scène sans pluie. Je fais comment quand c'est bien mais qu'il n'y en a qu'un seul, moi. Là j'aimais bien ce qui se passait. Mais mamie elle était toute seule dans son parapluie. Toute seule dans sa détresse. Mais du coup, est-ce qu'il en manque pas au moins un? C'est pas mal ça, non? C'est bien ça, putain, ça dépend. C'est chaud. T'es chaud? Jamais on aurait pensé dire qu'on attendait la pluie, ici. Ouais, c'est ultra composé, hein. C'est pas vraiment... J'ai loupé le moment où le parapluie s'est détruit. Le parapluie s'est détruit. Est-ce que tu as réussi à les avoir avec les parapluies retournés? Bah, j'étais un peu loin, j'ai pas eu le moment où... Au moment où je réalise, je clique pas, quoi. Il y a de l'eau sur mon objectif. Bonjour. La Vinaigre prend des risques. Et ça commence à se faire rare déjà les parapluies là. Ils sont où les parapluies? Il n'y a pas de parapluie. Ah ouais? C'est ça la France? Il y a un poivrier. Ok. Canaille!
Hey. Le mec est tellement chaud qu'il fait même des trucs hors thème pendant ces 30 minutes. Alors après, on a accès sous la tour Eiffel, mais je suis pas sûr que... Sous la tour Eiffel? Ouais. Mais il pleut pas sous la tour Eiffel, Aurélie. Oui, mais c'est un grand parapluie, la tour Eiffel, non? Bah... Ah, mais c'est au pluriel, il faudrait deux tours Eiffel. Ah merde. Attention, attention. Ouh là là. Je ne sais pas. C'est pas mal, ça. Bon. Je pense qu'on va bouger un peu. Ok. Histoire de voir s'il y a d'autres endroits qu'on a loupés. Là-bas, peut-être. Après, c'est bien aussi d'être dans un endroit où t'as pas forcément l'habitude de traîner. Ah, ça casse les couilles. T'as un regard un peu nouveau. Exactement, ça casse les couilles. Il a bien raison. On peut y aller, là. C'est un objectif que j'ai jamais utilisé. C'est la première fois. Et je sais pas si l'autofocus et tout, il est comment ici, il est fatigué, si son autofocus il est à jour ou quoi, tu vois. Attends, il a écrit un truc dessus. Y a pas un autre parapluie? Je sais pas à quoi ça va me servir, mais... Allez hop, baissez les parapluies, les gars. Ils vont pas kiffer, hein. There we go. Ok, je suis perdu. Il reste 10 minutes. Ah, c'est pas mal, tu vois. Ça, c'est pas mal, tu vois. Oh, c'est un parapluie, ça. C'est un grand parapluie. C'est un parasol, quoi. C'est un grand parapluie. Ça compte. C'est un parapluie. C'est fait pour parer la pluie. Ah, putain, mais alors lui, il peut me servir. Attends, mais ça veut dire qu'on a le même thème? Tout à fait. On n'a pas la même approche, donc c'est cool. On fera d'autres trucs. Je suis ravi. On est à la moitié du temps, il nous reste 15 minutes. Ah, tranquille. Ah, ta meilleure photo, mais après le défi. Mais tu vois, moi, les parapluies, moi, ça m'inspire un peu un truc de... Il y a du vent et tout, il y a de la pluie. J'aurais bien aimé faire du flou, mais vu qu'on a, on est plus dans l'élément pluie, là, au flash parapluie, on se serait amusé. On fait un coucou à Hugo Loupi. Une petite série au flash, là, qu'il a fait. Cette série me rend fou. Là, il y a deux parapluies, là. Et j'aime bien ce qu'ils font, ils font des trucs. Il a un parapluie, il a l'air trop content d'être à bord un parapluie. Yo, yo. Je pense que dans les règles, mais c'est tout à ton honneur. Je te propose d'aller acheter un parapluie et de faire genre tiens, je me balade avec un parapluie. Eh, hey, c'est chaud, hein. C'est tendu, hein. C'est tendu. On est tendu. Non, non. Il veut pas. Bonjour, je peux vous prendre en photo? Hop. Mais monsieur, il est gentil. Oh. Pourquoi faire ça avec la main? C'est une très bonne question. C'est très étrange. Tu fais ça avec un bout de trottoir, comme ça. Et visiblement, comme les Chanel sont plus... Non, mais ça va. Non, mais moi, je fais les photos. C'est moi qui fais les photos. Ah, d'accord. Il nous reste un peu moins de 10 minutes.
Moins de 10 minutes là. J'ai perdu mon guide. Il nous reste 6 minutes. Qu'est-ce que tu veux faire? Oups là. Il n'y a pas énormément de trafic. Elle est pas mal celle-là, dis donc. Elle est cool. Elle est super. Ah. Si on est sincère toi et moi, cette fois-là, jamais je l'aurais faite de ma vie si on m'avait pas parlé de parapluie. Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Aïe, 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 aïe. Oh, il a un parapluie, il est super. Je rate même plus les gens, je rate juste les parapluies. Faut juste que je trouve quelqu'un qui a un parapluie sur la dernière minute, la dernière seconde. La photo de ma boule sur la dernière, ce serait beau. On va voir là-bas. Il y a deux parapluies. Combien? 40 secondes. Oh, si, 40 secondes. Oh, il y a moyen de trouver quelqu'un. Qui a un parapluie? Vous, vous avez des parapluies. Merci. Merci. C'est la dernière, je ne sais pas ce que ça donne. Mais... Ok, est-ce qu'on entend ce doux bruit? C'était ça le bruit? Ah, c'était ça. Ah. Time's up. C'est bon, on est arrivé à la fin des 30 minutes. Fini. Ouais, deuxième bruit, clap de fin. Clap de fin. Putain, c'est chaud quand c'est pas ton appareil. Et qu'il pleut pas, et ton thème c'est les parapluies. Ouais, c'est et bien. Et qu'il s'arrête de pleuvoir pile quand tu commences. Ouais, c'est ça. Et qu'il fait beau et qu'il y a du soleil. Voilà, on est à la Tour Eiffel, on n'a pas trop à se plaindre. Non, dans les endroits, on a vu des mieux aussi qu'en prison. Quoi qu'en prison, on peut faire des belles photos. On peut faire des belles photos. Ah, pas trop de parapluies en prison. Nos deux photographes viennent de terminer leur tournoi, leur challenge. Les photos s'affichent sur votre écran. Les gars, comment ça s'est passé pour vous, là, pour l'un l'autre? Vas-y, François. Je commence. Très sympa, mais très difficile. Le défi axé sur un objet et non sur des gens. Bon, même si le parapluie, forcément, il y avait des gens au bout du parapluie, ça restait quelque chose qui était déroutant pour moi de réfléchir en termes d'objets et pas d'humains, même d'interactions humaines ou juste de mouvements, quoi. Mais intéressant, quoi. À refaire, peut-être même avec d'autres objets, peut-être ça peut être drôle. Mais j'ai bien kiffé, j'ai bien kiffé. Je te rejoins totalement, François, ou Vinaigre, je ne sais pas. Comme je veux, François Vinaigre. Voilà. C'était vachement intéressant, le format est vraiment cool, 30 minutes, ça permet vraiment de se plonger, de se focus sur le truc. Bon, moi, il faisait beau, alors le thème parapluie, c'était un peu compliqué. Mais la contrainte est créative et je trouve que c'est plutôt intéressant à refaire. Donc pour voter, c'est simple, un lien s'affiche en description sur Twitter et on se retrouve très prochainement avec de nouveaux participants, un nouveau lieu et un nouveau thème. On vous dit à bientôt.